peux mesurer plusieurs molécules en même temps. Là, j'ai un exemple, on mesure deux molécules. Blue Industry crée des analyseurs de gaz pour permettre à ses clients de limiter leurs émissions polluantes et d'améliorer leurs procédés de production. Dans le cadre du plan de relance, elle va bénéficier de 300 000 euros. Ils vont servir d'abord à faire des investissements de matériel, hein, parce qu'on a besoin de nouvelles technologies pour pouvoir accélérer notre développement, et aussi de préparer notre déménagement dans de nouveaux locaux, puisqu'on va développer une nouvelle unité de production pour pouvoir fabriquer plus d'analyseurs et avoir un rythme de production beaucoup plus important. Des fonds qui lui permettront aussi d'embaucher une vingtaine de personnes. Lancée en 2010, Blue Industry lance son premier analyseur en 2018. Elle s'est portée candidate au fonds de soutien à l'accélération de l'investissement industriel territorial. On cherchait ce type d'entreprise parce que on sait tous que la période économique est difficile, que la France est face à un défi qui est considérable. Et il est temps maintenant, grâce au plan de relance, de construire l'économie de demain. Et l'économie de demain, elle aura une part industrielle. 13 projets sont déjà lauréats dans la région Île-de-France, dont 4 dans les Yvelines. Le fonds atteindra 400 millions d'euros d'ici à 2022.